juego. Pisa área, se frena, se perfila Ronaldo. Oh. Plus qu'une joie, une véritable communion entre un joueur et son entraîneur. Une célébration voilà, tout au naturel, hein, c'est de la joie. L'homme de la situation, c'est Zizou. Ronaldo Zidane ou l'accord parfait entre deux ballons d'or. Je suis très content pour lui. Je suis juste heureux. Mercredi, premier test pour le Real de Zinedine Zidane face à la Roma. Les débuts du technicien en Ligue des Champions sont compliqués, mais la délivrance intervient à la 57e minute. Ronaldo. Plus que tout, je suis vraiment heureux pour son but, parce que le monde entier attend toujours de lui qu'il marque. Et à la fin, on l'a tous vu, il l'a fait, et je suis content pour lui. La joie communicative du Portugais, enlacée par le Français, symbole d'un groupe enfin uni. Ça fait plaisir en tout cas de voir cette cohésion, cette joie sur le terrain. C'est ce qui nous permet d'obtenir des bons résultats, je pense. C'est une ambiance qui est très importante pour tout le monde. Et on espère que ça va continuer comme ça, bien sûr. Car depuis l'arrivée de Zidane sur le banc meringué, Ronaldo est transcendé. Il a inscrit un tiers de ses buts en Liga. 8 réalisations et 2 passes décisives en 7 matchs, toutes compétitions confondues sous ses ordres. Pas un hasard pour Fabio Contrao, joueur du Real pendant 4 saisons, vainqueur de la Décima et grand ami de Cristiano. Sans aucun doute, Cristiano est beaucoup plus heureux. Cela se voit aussi dans son jeu par rapport à ses 6 premiers mois. Et j'ai vu à cette époque qu'il lui manquait quelque chose. Il n'était pas bien dans sa peau. Pour Cristiano, Zidane fait partie de son bien-être. Sous Benitez, les joueurs étaient bridés, déçus du départ d'Ancelotti avec qui ils ont remporté la Ligue des Champions. Avec déjà l'aide de Zizou. Oui, parfois, il y a des moments où un changement est nécessaire. Et dans notre cas, l'homme de la situation, c'est Zizou. Et on est tous avec lui. C'est clair que depuis qu'il est devenu le nouvel entraîneur, les joueurs sont plus libérés, notamment Cristiano. Résultat, CR7, qui a longtemps évoqué son mal-être et laissé la porte ouverte à un départ, semble intransférable, comme il l'a répété mardi. Je me sens bien ici, heureux, au sein d'un club qui me donne de l'amour. Je joue toujours, je marque des buts. Je ne peux pas être plus heureux que de jouer ici, au football, dans le plus grand club du monde. Je suis juste heureux. Je ne sais pas s'il allait partir, mais c'est vrai que j'ai vu un Cristiano très malheureux par rapport aux autres années. C'est la vérité et tout le monde a vu ça. Et je ne doute pas que la relation avec Zidane puisse durer de nombreuses années et qu'il remporte de nombreux titres avec le Real. C'est le tour de force réussi par le champion du monde 98. Utiliser son charisme, son passé de grand joueur, pour fédérer un groupe aux égos surdimensionnés. Contre la Roma, il prévient Ronaldo de son premier remplacement de la saison. C'est là toute la différence avec son prédécesseur pour Miguel Pardessa, ancien directeur sportif du club. C'est une bonne chose qu'il défende ouvertement ses joueurs, parce qu'en retour, ses joueurs donnent tout pour lui. C'est une relation de confiance, équilibrée, juste. Sur cet aspect-là, il est bon, comme en conférence de presse, ou l'attitude qu'il a au bord du terrain. Illustration mardi, en conférence d'avant-match, les deux hommes partagent l'estrade. Dis-moi un joueur qui a marqué plus de goals que moi, fuera de casa. Uno. Non tienes. Ronaldo quitte la salle après une question qui l'agace vraiment, sous le regard amusé de son coach, qui partage le sentiment de son joueur, une complicité qui se traduit dès le lendemain sur le terrain par un engagement total. Le triple ballon d'or ne donne jamais autant que lorsqu'il reçoit. Je suis content pour tout, pas seulement parce qu'il a marqué un but, mais aussi parce qu'il a galvanisé l'équipe par son énergie et qu'il a donné de la force à tous ses coéquipiers quand c'était difficile. Une victoire 2-0 dans la douleur, mais l'histoire entre deux géants du football ne fait que commencer. Leur objectif, la Ligue des Champions, ce serait la 11e du Real Madrid. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine !